Bonjour à tous, je vous retrouve sur une nouvelle capsule des Oui, c'est possible. Les Oui, c'est possible, c'est je vais à la rencontre de personnes qui ont créé leur vie sur mesure, qui ont osé vivre leur vie qui leur ressemble. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'inviter Nathalie Congé, qui m'a invitée récemment sur son groupe Facebook. On mettra les liens. Alors, qui elle est? Nathalie Congé, elle est curieuse et interrogative sur le vivant. Elle s'est plongée très tôt dans l'exploration de l'être humain. Cette profonde souffrance qui l'habitait enfant lui a permis de cheminer en direction de la découverte de soi et de l'autre. À travers ses expériences, ses rencontres et ses recherches, en 2018, Vivant jaillit, elle nous expliquera. Son premier film documentaire mettant en lumière les étapes universelles communes à chacun qui amènent l'être humain à la réalisation de soi, se reconnecter autour de l'amour. Elle crée en 2020 le groupe privé Parcours de vie, vous aurez les liens, pour aider tout être désireux de créer un nouvel équilibre de la vie personnelle et professionnelle tourné vers le bien-être et le bonheur. Waouh, que de belles choses. Bonjour Nathalie, comment vas-tu? Bonjour Céline, ça va très bien avec le super soleil du sud. Toi aussi tu vas bien? Ah oui, ça va super bien. Alors, avant de commencer, je tiens à te dire que quand je viens de lire ta présentation, j'en ai eu la chair de poule. Donc, gratitude déjà. Alors justement, quel est ton oui, c'est possible? C'est quoi ton oui, c'est possible? Mon oui, c'est possible, c'est la réalisation de mon tout premier film documentaire vivant. Sachant que je ne suis pas du tout du métier. Et il m'a apparu, j'étais dans cette interrogation continuelle de comment je pouvais aider et contribuer dans ce que j'avais pu expérimenter et apprendre jusqu'à aujourd'hui. Et en me posant pendant plusieurs mois, j'ai commencé à regarder derrière par quoi j'étais passée, qu'est-ce que j'avais pu remarquer de toutes mes recherches, de mes rencontres et de mes expériences. Et c'est là que Vivant a jailli une après-midi comme ça. Ping ! J'ai dit oh, « Oui, c'est ça !» Et il s'appellera Vivant. Et c'est vraiment de mettre en lumière avec Vivant les étapes que tout être humain parcourt pour justement aller à cette réalisation intérieure. Et alors, donc Vivant a jailli une après-midi, top. Mais tu me dis, c'était pas du tout mon domaine professionnel, mais voilà. Et comment tu as fait? Est-ce que tu t'es dit, oh non, pas pour moi, next? Ou là, j'y vais, je sais rien faire encore, mais j'y vais. Comment tu as fait pour aller au-delà de tout ça, au-delà de ces peurs? Ce qui est intéressant de ce que j'ai remarqué, c'est que j'avais déjà eu auparavant des idées qui pouvaient venir comme ci, comme là, sans aller vraiment jusqu'au bout des choses. Mais avec Vivant, ça a été tout l'inverse. Je ne me suis pas posé de questions. C'était une évidence. Et même quand j'en ai parlé autour de moi, j'ai pas mal de personnes qui ont mis en avant leurs propres croyances ou leurs propres peurs à me dire « Mais attends, t'es pas journaliste, t'es pas réalisatrice, à quoi ça va servir? Qu'est-ce que ça va t'apporter ?» Vraiment à essayer de me dissuader de pas le faire. Mais ça, ça m'a jamais freinée. Je sais pas comment l'expliquer avec des mots, mais intérieurement, tout ce que je pouvais entendre, que ce soit des personnes proches ou des institutions, certaines institutions, c'était impossible pour moi de le mettre de côté. D'accord. Et en fait, donc l'idée est arrivée, comment tu as fait pour le mettre en place brièvement? Parce que tu vas nous expliquer ce qu'est ce film. Tu allais à la rencontre de
belles personnes un peu dans toute la France. Comment tu as fait pour vraiment, là, après, là, c'est le passage à l'action. Comment tu as fait ? Comment j'ai fait ? Alors, quelques temps après, j'étais partie au mois de février au congrès de l'éducation de l'innovation de Julien Perron. Et de là, je me suis dit, c'est la bonne occasion d'aller à la rencontre de personnes aussi qui vont m'inspirer ou qui m'inspirent déjà, pour leur demander, leur parler de mon projet, son essence, le but, l'objectif, et de leur proposer d'en faire partie. Tous ceux à qui j'avais proposé m'ont dit oui. Et de là, j'ai commencé à notifier, donc ils m'ont donné tous leurs coordonnées. Ensuite, j'ai commencé à mettre sur papier le pourquoi du comment, puisque les étapes que j'avais remarquées, qui revenaient tout le temps, c'est continuel. Chaque humain va le traverser à sa propre manière, des manières différentes, même quelquefois l'opposé pour arriver au même noyau, à la même conclusion. Mais par contre, c'est des étapes qui reviennent tout le temps. Sur mes 15 années de recherche, d'expérience et d'écoute des gens que j'ai pu rencontrer, et comme j'étais toujours curieuse, toujours posée de questions, donc je suis toujours allée vers ce sens-là pour essayer de comprendre, pour voir ce qui revenait, d'aller voir des gens, de suivre des gens justement qui étaient dans ce cheminement, qui étaient arrivés à une certaine étape où il y avait vraiment de la réussite, de l'abondance, du bien-être, de l'équilibre, de la cohérence, de l'alignement. Et j'ai remarqué que c'était toujours les mêmes choses qui revenaient. Donc, j'ai mis tout ça sur papier et de fil en aiguille, en invitant des personnes, je les contactais via leur site internet ou une recherche sur Facebook, et puis je les contactais sur Messenger. Je leur expliquais un peu quel était le projet et puis je les invitais s'ils accepteraient de participer au film, que je puisse les interviewer. Et de fil en aiguille, avec une rencontre, elle m'a mis en lien avec sa fille qui est réalisatrice. Et cette fille-là, elle m'a aidée quand elle a vu, quand on a discuté de mon projet, elle l'a trouvé vraiment innovant dans ma façon de ce que je voulais mettre en avant et dans mes supports. Et elle a vraiment voulu m'aider. Donc, pour les productions, elle m'a dit, écoute, là, comment t'as notifié ta note de réalisation et d'intention, ça ne fonctionnera jamais. Aucune production, ça sera mis sur le côté. Il y a vraiment une façon bien spécifique à faire et qu'il faut maintenir, sinon, c'est même pas lu. Donc, du coup, on a travaillé ça ensemble. Elle me l'a mis... tout ce que j'ai pu lui dire, tout ce que je lui ai envoyé, on a travaillé toute une après-midi ensemble et puis elle l'a vraiment mis en page pour le présenter à des productions. Donc là, pendant un an, je suis allée un peu partout en France, en Suisse, en Belgique. Pendant ma première année, je suis restée vraiment ciblée à trouver une production. Avec ce côté, oui, j'ai mon idée, oui, je fais les interviews, mais vraiment pour le monter et pour qu'il puisse être vu au cinéma, à la télé, au plus grand nombre possible, l'importance d'un bon montage, les bons cadrages, la bonne lumière, comme c'est pas mon métier. Et au bout d'un an, comme j'avais pas de retour, je me suis dit, mais après tout, je suis pas obligée de passer par une production pour pouvoir monter mon film. Donc voilà, de fil en aiguille, là, il y a Vivant qui est passé en association, je me suis mis en partenariat avec une entreprise qui s'occupe justement de rassembler des fonds publics et privés. Et ça suit son petit chemin. Alors, ça fait déjà 2 ans et demi que je suis sur ce projet-là. Ça demande beaucoup de patience, ça prend plus de temps parce que j'ai des recherches et que c'est pas le milieu, donc j'ai aucune connaissance, donc j'apprends sur le tas. Mais il y a toujours des rencontres qui m'amènent. Tu vois, là par exemple, hier j'étais avec Alex Ferrini,
un réalisateur qui est assez connu, qui a créé En Liberté, Régénération. Et là, dernièrement, bientôt, il va sortir son film documentaire, là, septembre-octobre, qui s'appelle Vivante. Ah. Oui, qui s'appelle Vivante. Et c'est le suivi d'une personne qui a une maladie. Donc, du coup, tu vois, par exemple, hier, je l'ai contacté dans la matinée en lui disant, je viens de découvrir les documentaires que vous avez faits. Et là, en ce moment, ça fait un petit temps que je tourne en rond. Et vous qui êtes du métier, est-ce que vous pouvez m'aiguiller de ce que les étapes et de ce qu'il y a à mettre en place et comment pour justement continuer à avancer pour la réalisation de son vivant. Et il m'a répondu. Excuse-moi, c'est que j'ai un décalage, je m'en excuse. Mais par rapport à justement ce qui est intéressant dans ce que tu me dis, et que pour inspirer les personnes qui écouteront cette interview, tu me dis, j'y connaissais rien, je suis allée à la rencontre de personnes qui m'inspiraient ou que je découvrais. Là, tu dis, je suis allée à la rencontre de ce réalisateur. Voilà, c'est tes peurs là-dedans. Il y en avait ou pas? Bizarrement, avec Vivant, mon projet, il est, je ne sais pas comment l'expliquer avec des mots, mais il est tellement plus fort que mes peurs. D'accord. Avec Vivant, j'ose vraiment surpasser beaucoup de peurs qu'avant pour d'autres thèmes, d'autres sujets. La peur pouvait prendre le dessus, mais avec Vivant, c'est toujours Vivant qui prend le dessus. Ce projet de cœur, il est tellement intense, profond, que ça prend toujours le dessus sur les peurs. Toujours. Est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment la chose qui te fait vibrer, donc ça te donne la possibilité de te dépasser parce que ce que tu fais est vraiment aligné avec toi? Est-ce qu'on pourrait dire ça? Alors, je ne sais pas si on peut dire aligné, mais en tout cas… On peut dire que c'est un lien. Moi, c'est ce que je ressens dans mon corps, c'est ce lien avec le cœur. Donc, lui, ça me fait vibrer. C'est vraiment un projet de cœur et il me fait surpasser beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Alors, plus je fais, plus je mets en place d'action, plus j'ai confiance en moi et plus j'ose. Ben oui, c'est le truc en fait. Plus on ose, plus on a confiance en soi. Donc, c'est normal. C'est normal. Et alors, du coup, ton entourage, parce que se lancer dans un projet comme ça, je suppose que le regard des autres, tu le disais en tout début de l'interview, a été un petit peu, des fois, un peu lourd. Tu leur disais quoi, ces gens-là, qui disaient, mais ça va pas de faire son truc pareil, mais tu n'es pas du métier, et puis sûrement, voilà, tu n'y arriveras pas. Qu'est-ce que tu leur disais à ces gens-là? Ou leur disais pas, je sais pas. Ça aurait été quelques années avant, j'aurais tout fait pour justifier, leur faire entendre, leur faire comprendre jusqu'au moment où ils me disent oui et qu'ils valident. Mais à cette époque-là, par rapport à un certain travail que j'avais fait sur moi, je m'en foutais. Ils pouvaient me dire ça. La seule chose, je me souviens que je leur avais répondu, c'est par rapport à « mais qu'est-ce que ça va t'apporter ?» Et je leur avais répondu, mais quand c'est venu, mon intention était d'apporter à l'autre et pas de m'apporter à moi. Finalement, ce projet-là, il m'apporte tellement et bien au-delà que j'aurais pensé. Tu vois, par exemple, il y a 15 jours, j'étais en lien avec deux personnes qui ont créé… Je rêve d'un autre monde, c'est un livre qui est paru il y a un an et qui m'ont contacté en me demandant d'être la réalisatrice de leur livre, mais en film documentaire. Bravo. Bravo. C'est pas mon métier, je suis pas réalisatrice, tu vois, mais ces deux personnes-là, ça fait déjà plusieurs temps qu'on est en lien et qu'on échange ensemble et elles adorent le thème de Vivant, la création du groupe privé. Elles m'ont dit, on sent qu'avec toi, on sait que
que le message qu'on veut passer, il sera pas transformé. Tu arriveras vraiment à le transmettre tel qu'on en a envie. Et c'est des choses magiques comme ça qui arrivent, que j'aurais jamais pensé qu'un jour on me demande de réaliser un film pour quelqu'un. C'est ça la magie de la vie, c'est ça en fait. Oui. Et puis les rencontres, le fait de il y a quelques temps, j'étais en lien avec David Moussebois, qui est partenaire avec Martin Latulippe, Patrick Dumont. C'est des personnes là que j'ai eues en 2 semaines au téléphone. David Moussebois, il est ami avec Guillaume Senet, qui est un très grand réalisateur et qui est très connu. Il m'a dit, je vais le contacter pour voir comment on peut t'aider. Enfin, c'est plein de petites belles choses comme ça, mais c'est fantastique. Il y a des rencontres. Ce que j'aime, c'est que là, j'ai plongé dans un inconnu total et qui me permet d'aller à la découverte de moi, de continuer à la découverte de moi, de réajuster, de remettre en place par rapport à ce qui me fait vibrer, ce que j'ai envie, de rencontrer des gens différents de ce que j'ai pu avoir auparavant dans mon entourage, mais qui sont vraiment dans ce même élan de cœur, de création, de vibration. Donc, du coup, ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je me sens vraiment vivante. Depuis que j'ai osé écouter vers quoi j'avais envie d'aller, même si j'y connais rien de rien, mais c'est une aventure magique et fantastique. C'est difficile à décrire avec des mots, mais intérieurement, je le sens, ça me transporte. C'est magnifique. Alors, j'allais te demander comment tu te sens. Tu m'as donné la réponse. Alors, moi, j'ai une autre question pour toi. Où tu en es maintenant de cette réalisation? Que te manque-t-il? Parce qu'à y être, autant profiter, YouTube, les réseaux sociaux, sur un malentendu, il y a quelqu'un, peut-être, et j'en pose l'intention, qui peut tomber sur cette interview et qui peut te contacter. Alors, qu'est-ce qui te manque maintenant pour aller au bout de ce film et de pouvoir le faire découvrir? Mais écoute, merci d'abord Céline. il a été budgétisé à 100 000 euros. Donc ça, après, ça dépend de l'équipe, comment elle est constituée. Dans les 100 000 euros, il y a les contreparties du premier crowdfunding qui a été mis en place et qui revient à près de 30 000 euros. Et là, hier, avec le réalisateur, il me disait, écoute, tu peux arriver à monter ton film, à t'en sortir, rien que pour monter ton film à 5000 euros. Il me dit, ça peut être possible. Si t'arrives, tu peux arriver à trouver un monteur, un ingénieur son et faire l'étalonnage pour 5000 euros. Bon. Et j'ai toutes les interviews, j'en ai quelques-unes qui sont en attente, mais est-ce que tu peux nous dire quels ont été tes invités? On va pas tous les nommer, mais il y en a près de 30, mais voilà, il y a des personnalités connues et inconnues, parce que justement je voulais mettre en avant ce fait que qu'on soit une personnalité connue ou inconnue, on passe par les mêmes étapes. Parfait. On a à faire le même cheminement pour aller dans la même direction. Donc, j'avais vraiment envie de mettre en avant tout ce qui nous unit plutôt que ce qui nous sépare. Donc, il y a Julien Perron, Olivier Clerc, Marie-Lise Labonté, Christian Junot, Lily Young, Valérie Jesper, Stéphanie Marie, j'en ai près de 30 qui sont dans Vivant. Et d'ailleurs, par contre, sur la chaîne Facebook de la page Facebook de Vivant, vous aurez accès à toutes, même dans le teaser sur la chaîne YouTube, à tous les intervenants qui ont participé.
C'est vraiment très beau, c'est un projet. Moi perso, j'ai hâte de le découvrir. Donc, je pense que ça va être un beau projet, une belle réalisation, de belles co-créations aussi avec toutes les personnes que tu as interviewées et avec qui tu travailles pour la réalisation. Pour finir, moi, j'ai envie de te demander qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui osent. Quel conseil tu pourrais leur dire? Leur oui, c'est possible. Le conseil, c'est d'oser. D'écouter, d'observer, d'apprendre à se connaître, d'observer, d'écouter comment réagit notre corps, comment on se ressent par rapport à ce qu'on vit, à nos rêves et d'oser le faire et de rien lâcher. Moi, c'est clair, ça prendra le temps que ça prendra, mais je lâcherai jamais, mon film y sortira et je continuerai toujours à semer des graines, à aller frapper à des portes, à me débrouiller. Ça fait travailler la créativité, tu me diras Céline, parce que c'est vrai que du coup, on ose encore plus, on réfléchit à, et puis hop, il y a une autre idée qui arrive, et hop, on y va, on fonce. Mais c'est ce que j'ai envie de vous dire à tous, c'est oser, lâcher rien, et écoutez-vous. Écoutez-vous. Et même s'il y a des gens autour de vous qui vont tout faire pour vous en dissuader, de continuer à en croire en vous et en vos rêves. Après, c'est toujours être dans l'observation et de voir, tiens, si ça fonctionne pas, qu'est-ce que je peux mettre en place de différent qui va pouvoir m'amener à, de quoi j'ai besoin. Et après, c'est d'y aller étape par étape, mais toujours poser des actions. Écoute, je crois que tu as bien résumé le oui, c'est possible finalement. Hein, tu as résumé très, très, très bien la chose. Moi, je te remercie d'avoir pris ce temps pour ces capsules. On se retrouve, nous, vraiment très, très vite. Tous les liens de Nathalie, que ce soit sa chaîne YouTube, son compte Facebook, vous seront mis sur la description. N'oubliez pas de partager cette interview si elle vous inspire pour en inspirer plein d'autres. Vous savez que la co-création, c'est mon truc. Nous sommes tous interdépendants et nous avons tous apporté notre pierre dans ce beau monde, à inonder d'amour ce beau monde. Donc, Nathalie, un grand merci. À très, merci. Très vite. Merci à toi, Céline, pour ton invitation. Donne-nous des nouvelles. Vous aurez les liens, il n'y a pas de souci. Je vous embrasse, je vous dis à très très vite pour une nouvelle capsule. Bye bye. Bye bye. Croyez en vous, allez-y, foncez, c'est parti.